Salut à tous. Et bien, comme vous avez pu le voir, on se retrouve à nouveau sur Nioh 2. Et là, en l'occurrence, comme vous avez pu le voir, on va aller voir une zone de farm potentielle pour la colonne de Mikawa. Donc, qui marche en tout cas bien plus rapidement que cette mission-là qu'on va aller voir dans la 7ème réaction. Hop. Donc, celle-ci que j'ai montré tout à l'heure d'ailleurs dans une vidéo où j'ai montré les différentes méthodes pour monter la familiarité de vos équipements. Donc la mission l'aube de l'espoir, où je rappelle qu'on peut avoir une colle de Mikawa en à peu près 4 minutes. Bon, ce qui est un peu long parce que pour le coup, tu en as besoin de 7 pour une pièce, donc 32 minutes. Et pour 5 pièces d'une armure, bah pour le coup, ça pique, ça fait plus de 2h30 quoi. Donc là, du coup, hop, rendez-vous sur cette mission. Vue des cerisiers en fleurs à Daigo, ça marche presque aussi bien en NG qu'en NG+, où on peut effectivement obtenir de la colle de Mikawa assez régulièrement. Donc pour vous montrer, qu'est-ce que je fais, oups, pour montrer que ça marche en NG, on va aller directement en NG. Tant qu'à faire, pourquoi s'emmerder? C'est dingue, il est quand même minuit. Qu'est-ce qui se passe? Non, 1h32 du matin. Et je me fais encore harceler de messages à cette heure-ci. Ça n'arrête pas. Toute la soirée, ça y a été. Waouh. Bref, donc du coup, je vous invite à y aller avec un stuff quand même un peu modifié, prévu à cet effet. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai sorti ce que j'avais commencé à bricoler la dernière fois avec un taux de butin, comme on peut le voir ici, sur divers bricoles. Taux de butin de vie à 4,4%, enfin etc. Donc sur 4 pièces de l'armure, j'ai pas touché le casque, j'ai laissé le mien. Les deux armes de distance, bon, une seule est comptée, hein, je rappelle que c'est celle qu'on a en main, évidemment. Les deux accessoires, du coup. L'esprit gardien, même chose. Tant qu'à faire, on va aller faire un petit tour là. Donc là du coup on a 5% sur taux de butin d'objet, donc c'est bien pour la colle de Mikawa. Côté noyau, donc je vous invite à avoir 3 noyaux avec le taux de butin d'objet à 1,5% chacun, ce qui ferait 4,5% total avec les 3 noyaux. Bon là j'avais tenté d'essayer les deux là avec le taux de butin d'objet en mutation Yukai à 8%, mais bref, laisse tomber, vu qu'on n'a pas d'attaque avec ça, laisse tomber, c'est la merde, ça sert à rien. Enfin bref, donc là on n'est pas trop mal. Donc malheureusement, faut pas rêver, c'est pas tout beau tout rose, ça reste aléatoire une fois de plus, malgré le taux de pourcentage ici augmenté qui est quand même, ouais, je dirais pas trop mal. Ben, autant tu peux avoir une colle de Mikawa, par exemple sur un aller-retour, autant tu peux en avoir encore une ou deux sur le deuxième aller-retour, et au troisième aller-retour pendant 2-3 passages, ben, en fait tu vas rien avoir, hein, ça reste vraiment aléatoire quoi. Mais bon. En démerdant bien, disons qu'en une heure, tu peux quand même en avoir à peu près entre 30 et 40. Et là, du coup, bah, ça équivaut à peu près à ce que je montrais tout à l'heure dans ma vidéo que j'avais sortie en début d'après-midi, où je montrais les différentes façons de monter la familiarité de vos équipements, dans laquelle j'expliquais qu'en une heure, à peu près, on pouvait donc faire les 5 pièces de l'armure, 5 bras avec l'attaque par exemple, monter leur familiarité en allant combattre. Bah ici ce sera à peu près la même chose mais en allant farmer le col. Voilà. Donc pour ceux qui veulent pas se faire chier à combattre, ça peut être la solution. Mais finalement il y a du combat hein, puisqu'il faut bien tuer les mobs, hein, forcément. C'est à vous de voir quoi. Alors j'utilise quand même le talisman qui permet d'augmenter le taux de chance. Ça peut servir. L'armure n'est pas finie, tout ça, hein, donc il faudrait mettre des bonus, mettre la chance récupérée sur chacune d'entre elles. Donc celui que je viens de buter avec la veste en verte, hein, c'est eux qu'on va aller chercher. Les petits comme lui, on s'en fout. A priori, ils en donnent pas, je les ai fermés pendant je sais pas combien de temps, pas moyen d'avoir une seule fois une colle sur eux, donc laissez tomber. Vous emmerdez même pas à les tuer.
et une Kaldenka. Impeccable. Donc vous voyez, ça va assez vite finalement, hein. Si on a de la chance, ça peut aller très vite. Alors lui, profitez-en, il veut drop un texte ancien pour son casque. Peut-être même d'autres choses, certainement. Je vais pas essayer de le tuer. Voilà, on ouvre le raccourci et on retourne au sanctuaire. Donc ça peut aller assez vite, hein. Finalement, au lieu de mettre 4 minutes pour avoir une colle de Mikawa, allez, on va dire tu peux mettre 1 minute et demie, t'en as une, quoi. Bon, si t'en drop, évidemment. Si par chance t'en as deux, c'est plutôt cool. Le temps de revenir au sanctuaire, t'as mis 2 minutes. Ça te fait 2 colles, c'est pas mal. Mais bon, comme je disais, ça reste totalement aléatoire. Des fois ça s'enchaîne, des fois bah t'as un trou pendant 3-4 runs où t'as rien du tout, quoi. Mais bon, ça me surprend pas, c'est Nio et surtout c'est Team Ninja, hein. Donc je suis pas surpris au niveau du drop, ils savent pas trop y faire quand même, ils ont un peu de mal. Si t'as beau monter les pourcentages chez eux, ça veut rien dire. Ouais, impeccable, une colle. Vous voyez, hein, c'est plutôt intéressant quand même. C'est bon, il a pas bougé lui. Il doit être malade. Bon, ils n'ont pas donné. Et hop, c'est reparti au sanctuaire. Donc voilà, pour ceux qui voulaient une petite zone pour farmer de la colle, ben vous en avez une. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de finir la mission comme l'autre, hein, qu'on a vu tout à l'heure dans la 7ème région. Ici, vous reprenez simplement le sanctuaire, vous les fermez en boucle. Donc, les grands avec la veste verte, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez de la chance, ça tombera chaque aller-retour. Vous n'avez pas de chance, bon, bah, il y aura des trous, hein, ou parfois vous n'en aurez pas pendant 2-3 passages. Donc, là, j'ai essayé pendant presque une heure, hein, pour vraiment voir le taux de drop à ce niveau-là. Ça marche encore assez bien. Donc, ouais, effectivement, tu peux en avoir à peu près une trentaine à une quarantaine en à peu près une heure, quoi. Donc sur ce, et ben moi je vous dis à plus. Et n'oubliez pas la mission, vue des cerisiers en fleurs, Adeiko, 6ème région, ONG comme ONG+, il n'y a pas de souci. Et ciao tout le monde!